Alors, cette scène ainsi que la suivante fait partie d'un groupe de deux scènes qui permettaient d'introduire Green Lantern avant son arrivée sur Terre. Dans le premier scénario, enfin dans le scénario de base, on voyait Green Lantern enquêter un peu dans l'espace en faisant son boulot de lanterne et ainsi découvrir que Darkseid rassemble ses troupes et s'apprête à envahir la Terre. Et suite à ces découvertes, il devait rentrer sur Terre pour avertir la Ligue de la menace qui arrivait et les rejoindre, du coup, comme on le voit dans le film. Donc, il y avait deux scènes comme ça, on le voyait enquêter avant de revenir sur Terre. C'était ces deux scènes où on devait découvrir le personnage. Sur la scène que vous allez voir, on le voit du coup retrouver un de ses amis qui est dans une mine des parademons et qui l'informe que les parademons sont en train de se rassembler. Si ces scènes ont été coupées, c'est, encore une fois, vous l'aurez compris, pour des raisons de rythme. Le fait est que, là encore, la première partie du film était beaucoup trop longue jusqu'à l'élément déclencheur. Fallait qu'on arrive vite à l'élément déclencheur, et déjà, il y a 40 minutes jusqu'à ce qu'on arrive aux Fury qui se battent contre la Ligue, qui est en gros l'élément déclencheur. Et aussi, je me suis dit que, fondamentalement, on n'avait pas vraiment besoin de ces scènes pour comprendre l'intrigue ou le personnage de Green Lantern, on peut très bien le comprendre sans. Et même si ça me fendait un peu le cœur de couper ces deux scènes, c'était un peu obligé, ça aussi était un grand gain de temps en montage, parce que c'est des scènes qui nécessitaient 2-3 effets quand même. Donc voilà. Salut tout le monde! Vous savez à quoi cet endroit me fait penser? Là, on peut y aller! Allez, vous êtes tous libres! C'est ça, ne me remerciez pas! Toi par contre, il faut qu'on parle. Arrête, Hal, tu vas briser ma couverture. T'as plus de couverture, Thomas. Ta mission est finie. Tu rentres. Je n'ai vu aucun gardien en arrivant ici. Où sont-ils tous partis? C'est ça le problème. On n'en sait rien. La majorité des parademons sont partis il y a quelques jours. Où ça? Je te l'ai dit, on n'en a aucune idée. Mais il y a des rumeurs qui circulent. Apparemment, Apocalypse rassemble ses troupes. C'est pas possible. Tu veux dire qu'ils tenteraient de reprendre leur conquête? Darkseid n'a plus mené de guerre depuis la défaite de Neo Genesis. C'est ce qui se raconte. Mais encore une fois, c'est que des rumeurs. Des rumeurs. J'espère que ce n'est que ça. Des rumeurs.